Hip. Prête. Allez. On verra ça demain. Pour le moment, Laura va chercher ta médaille. 11 à 5 pour Laura Flessel, 6 touches d'avance. C'est un peu c'est un peu tragique pour Tatiana Lugunova qui n'a pas de solution technique. J'espère que son entraîneur a pu lui donner des idées. Mais elle a 6 touches de retard sur la championne olympique de 1996, sur la championne du monde. Elle a 20 ans, c'est sa première finale, elle a 6 touches de retard. Mettez-vous dans la tête de quelqu'un qui est dans cette position-là. Et elle a surtout raté la finale olympique, il n'y a pas grand-chose. Voilà Laura Flessel qui marque une 12e touche, un arrêt. Vous ne l'entendez même pas crier, même pas exulter, Laura Flessel. C'est vous dire si elle est confiante. Oui, surtout, elle veut pas, pour cette médaille. J'ai l'impression qu'elle ne veut pas en rajouter dans la tête à Lugunova. En garde. Prête. Elle va pas, alors qu'elle a le match en main, elle n'a pas besoin de... Elle le fait seigneur, elle fait médaille de bronze, mais elle fait médaille de bronze seigneur. Alors si les statistiques de Laura Flessel sont respectées, elle doit aller au pied sur celle-là, vu qu'il y en a une sur deux au pied. Tactiquement, ce serait pas très bien, parce qu'elle mène en faisant des arrêts à l'épaule, elle va pas aller au pied. Elle a fait les actions offensives et les prises de risque pour mener. Maintenant qu'elle mène, il faut simplement gérer, il faut gérer le match et simplement faire des doubles. Voilà, comme ça, voilà, elle fait partir la Russe et elle fait des doubles. Et elle mène 13-6. Maintenant, plus il y a de doubles, plus ça nous avantage. Et maintenant, regardez, elle fait partir et boum, elle fait un arrêt double. Maintenant, Tatiana Lugunova, elle a une minute, enfin deux minutes pour remonter cette touche, c'est-à-dire qu'elle doit mettre une touche toutes les 20 secondes pour revenir à égalité, ça va pas être simple. Voilà, elle se jette, elle est obligée, elle n'a pas le choix. Et Laura qui est attentive, elle est concentrée, hein. Elle met la contre-attaque immédiatement. Attention, Laura Flessel est à une touche de la médaille de bronze qui ne saurait lui échapper. Voilà, un petit bonhomme encore. Et vous avez vu Lugunova, quand elle a voulu faire la cible, elle est passée par le haut, n'y arrive pas. Et elle reste fidèle à sa tactique, Laura Flessel. Elle va chercher cette médaille. Hein. Elle va chercher cette médaille. Allez, ah là, voilà, ça y est. Et ça y est, c'est Laura Flessel est médaillée de bronze. Oh, elle a l'air désolée quand même. Ah, bravo quand même. Elle a fait un super tournoi et ça s'est pas joué à grand chose. Une petite touche en demi-finale. Elle embrasse Bernard Lataste. Elle souffle. Faut pas être désolé Laura. T'es toujours une grande championne, Sangeeta Tripathi qui vient t'embrasser. T'es toujours une grande championne.